tout le monde, c'est Jack Booby et on se retrouve sur du Red Dead Redemption. Quand tu es la suite de nos aventures avec notre très cher John Marston, comme à chaque fois. Donc on va aller voir la petite cinématique, voilà. On arrive, on est déjà au 18e ou 19e épisode là, ça va vite, non de bleu, on est déjà vite là. Voilà, toc toc, non, on est au 19e, quel con. Professeur. Oh, it's you, dear boy. Come in, and shut the door. What's going on? You leaving? Yes, sir. Yes, I am, sir. You know the thing that is vital, without which scholarship cannot proceed, sir? No, I don't. Not having a bullet in your flipping neck, sir. I am not cut out for this. No, not cut out for this at all. Nope. They're fucking savages! Savages! I think we all are. Nay, sir. I'm from Connecticut. I'm a professor at Yale. I write books. I do not deserve to die out here. Where's my tincture? Oh, mais c'est un paranoïaque, lui. Ouais, il faut te calmer avec ta cocaïne, toi, hein. You okay, professor? Oh, dandy, sir. Vous avez vu la gueule qu'il a? Putain, il a sursauté le gars. Hello, Dutch. I think that's what they call two for the price of one out here in this wonderful place. Maybe so, Dutch. You and your friend there, the professor. We're gonna kill the both of you. Why you wanna do a thing like that? I don't know. Sport, I guess. Fair enough. Why don't I come out there? We fight. Let the professor go and send your boys back to their families. Well, that sounds like a beautiful plan, John. Only problem is, my boys here, they already lost their families a long time ago. We aren't thieves, John. We're fighting for something a bit like you. Only we're fighting for an idea, not just for ourselves. That's beautiful, Dutch. You always were a fine speaker. I was. Now would you kindly send that academic out here so we can show him what we really think about the art of anthropology? Lisa, what are we going to do? I'm gonna hand you over to him and watch him tear you limb from limb. What? I'm just kidding. We're gonna run across the rooftops. Get you back to your ivory tower. Oh, thank you. Thank you, sir. Don't thank me. We're still here. Come on. Good day, sir. Madam. Look here, sir. What is the meaning of this outrage? You two stay down and shut up. Allez, on monte. Qu'est-ce que tu fous? We can get to the roof this way. Allez, accédons au toit. Allez, on monte. He's going to kill me. Stay back, or the teacher gets it. Oh putain. Allez, casse-toi. You give out one play. Allez, planque-toi. Planque-toi. Putain, planque-toi, nom du dieu. Allez, planque. Non mais t'es sérieux là? Planque-toi, putain. Oh nom de dieu. Putain. Oh la manette, elle a déconné là. Sec et saignant hein. Bien sûr, c'est de nuit, hein. Oh,
Christ's sake. Tiens. Tiens, voilà, prends-toi ça. Toi aussi, prends-toi ça. Voilà. Come on then, let's make a break for it. Ok, allez. Allez, on se casse. Allez, on va aller par là-bas. Allez, on glisse. Allez, dégage. Alors, on va aller par où? Putain, les flics, putain. Bon, on va quand même l'écouter parce que je pense qu'il va nous attaquer, les gars. Dutch, le gang de Dutch, là. Mais final, tu ris. Ouais, mais bon, là, t'es dans la paranoïa, là, t'as pris ta drogue, là, t'es vraiment pas bien, toi. Tu m'étonnes, t'es pas trop bien, tu prends de la cocaïne. Par sang, t'es un ouf, toi, hein, t'es un malade. Et évidemment, c'est ce que j'avais pensé. Vas-y, on avance. Mais non! Putain! Pourquoi tu passes par le barricade, là? Allez, hop. On va le... Mais il avance, ce gars, putain, hein. Ah, que moi, pas souvent pas content de voir les gars... Allez, un caribou. Alors on arrive où? Ok, on arrive là. Ah ok, bah c'est bon. Voilà. On est arrivé à destination, comme on dit. My research is complete. Much as I thought, there's no civilizing this savage land. I could have told you that for nothing. Ah, but they'll give me a prize in New Haven for this. Well, they bloody bet. Well, putain, mais sa tête, elle est blanche, vous avez vu, les gars? Oh, putain. Best of luck, dear friend. Allez, prends ton train. So long, professor. Adieu, professeur. So long, sir. Bon, on a eu 100 dollars là, ok. On va aller au G. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a eu un succès. Un gros poignet de dollars, d'accord. Alors. Bon, il est en train de charger là. Appuyons sur Start. Et on va aller là-bas. Voilà. Comme ça, on aura fait. On aura presque fini là, je crois qu'il nous reste encore quelques missions, puis on a fini, puis on va, je pense, tuer Dutch là, ou j'en sais rien. Bon, on se retrouve tout de suite là-bas. Allez, à tout de suite. Bon, on est de retour, voilà, on arrive gentiment chez les GLG là, chez les, comment ça s'appelle, les gros shérifs là, les Connellan ou j'en sais rien quoi. Donc voilà. Alors, on arrive là. Est-ce qu'on peut faire la mission maintenant? Ah putain, faut arriver à 7h. Bon, je vous fais l'ellipse et puis je vous mets directement dans la cinématique. Allez, à tout de suite. What do you want, Marston?
My family. I've done what you asked. No, you haven't. This is the land of opportunity, and I gave you the opportunity to save your family, and you failed. How could I possibly reward you? Marston, you're a public menace. We should have had you killed. I wish you had. But since you didn't, where's my family? Spare me the noble savage fall on the sword tripe, will you, old boy? It's nauseating. You don't wish to be dead. You're an insignificant creature, desperately clinging on to life like the rest of the scum in this town. Yeah, I know it's tough. You like Dutch. He's a charming fellow. He makes sense. He's like one of those nature riders from back east, only he takes things a tiny little step too far. Rather than just loving the flowers and the animals and the harmony between man and beast, he shoots people in the head for money. Can't disagree with him. He's a goddamn killer. Now, I'm not a great intellect. Vous êtes pas tellement mieux, vous, hein. From admiring the flower to shooting a man in the head because he doesn't like the flower is a leap too far. So, I know it's easy. You see, me and Archer, we're the bad guys. We enforce the rules. Now, while the rules may not be perfect, they're really not so bad. Exactly. Désolé pour la lumière, ça c'est dans le jeu, hein. I'll tell you what the alternative is. It's not complicated. It's about one man and his gun versus another man. Sure. Civilization may be dull, but the alternative, Mr. Marston, is hell. It's hell. And the way you enforce this civilization, this freedom for men to like or not like flowers, or whatever in God's name you were just talking about, is to kidnap a man's wife and son? Well, I know there's contradictions. I'm not going to lie to you. Yeah, as I said, I'm not a great intellect. Now, after the debacle with the army and the bank, we have to put Mr. Vanderlyn to rest ourselves. Will you help us? Do I have any choice? Now that you mention it, no. Then what was that pretty speech in aid of? I don't rightly know, but it sure felt good saying it. Shall we, Mr. Marston? Let's go. Ok, bon. Bon, bon. Ah. Hein? Un véhicule blindé? À cette époque? Avec une Gatline. Oh putain! Mais c'est une nouvelle Gatline, ça! Ah, c'est bien une nouvelle Gatline! Bon bah on a une nouvelle Gatling devant nous, une nouvelle mitrailleuse, je sais pas si c'est une Gatling ou bien quoi, mais bon on va passer à la cinématique par contre. Mais une nouvelle mitrailleuse à changer. Oh non, double l'armée américaine. Oh, oh, oh. Bon, ça veut dire que ça va chier les gars, hein. Ça veut dire que c'est moi qui dois ouvrir la route. Oh putain. What's the word, Captain? We spotted one of Dutch's men about an hour ago. I think he took the bait. Let's get in position then. Have your men ready to run them down if you have to. Dismiss! Load weapons and get to the sandbag! Okay, donc on a la mitrailleuse. Finish this, Mr. Marston? I guess so. Ouais, donc. On vise comment? Keep your eyes peeled. Ouvrez l'œil. Il vient de par où?
Par là, ok. Try and kill me now! Yeah, too late to talk about me! Ouais, ça y va, putain. Je suis concentré, les gars. Tu vas prendre ou bien? Putain, ça y va, les gars. Hein. Oh, putain. Les gars, putain, il y va, c'est cette mitrailleuse, la Gatling là. Ah, il peut pas aller. Vite, putain! Oh putain, bordel de merde! Non, putain! Oh, mais c'est de la merde cette mitrailleuse! Bon, on se retrouve tout de suite dans la scène. Allez, à tout de suite. Là, voilà, on est de retour. C'est la troisième fois que je vais. J'espère que ça réussit cette fois. Allez, prends-toi ça. Prends-toi ça. Prends-toi ça. Et évidemment, bien sûr, ça me bloque. Dégage. Dégage aussi. Dégage aussi. Alors faisons K, face et K. Prends-toi ça. Allez, allez, allez. C'est la troisième fois que je fais. Il y a des ennemis par là. Je tire, hein, à volonté, hein. Qu'on a là-bas. Oh putain! Allez, voilà, voilà. Ah merde! Oups! Putain! Ah ouais, d'accord, ok, donc en gros c'est normal, hein. Oh là là, j'ai cru qu'on avait vraiment perdu, hein. Oh là là, oh, 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 oh. C'était chaud les gars, oh putain. Alors, lui il a eu de la chance, hein. Enfin, ils ont eu de la chance. Tu veux pas crever, toi, connard. Well, Mr. Marston, it seems like your mentor Dutch no longer looks quite so kindly to the student. That man is insane. So it seems. I think we need to get him before sundown. As you say, Captain. Otherwise, he'll be gone again. And what if I say no? Now, before I shoot you myself, let me just point out the obvious.
the one person we have left that can appeal to Mr. Vanderlyn is the last person we know who knows him. Your wife. That won't be necessary. Mr. Ross, Captain, let's go. Okay, let's go. Mount up, man. Let's move out. Allez, go. Bon, on va aller là-bas. Bon, on va pas les attendre, hein. On va aller juste là-bas. Est-ce que c'est loin, par contre? Ah ouais, c'est un peu loin. Bon, alors les gars, je vous fais une ellipse, hein, puis on se retrouve tout de suite là-bas. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, on est de retour. J'ai fait la plupart du chemin, donc on arrive gentiment au bout. Je pense qu'il faut aller tuer Dutch, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que c'est là? Je sais pas. Par contre, on va pas faire le ouf, hein. On va prendre les chemins comme il faut, hein. Voilà, tac. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours, hein, sur ma chaîne, hein. Ça me fait toujours plaisir de jouer, hein. Moi, je fais ça pour le plaisir, c'est tout l'essentiel de ce que je fais. Voilà, alors on arrive gentiment au bout. Alors, on arrive gentiment au bout. Alors, ok. On monte. Là, voilà. On est arrivé. Ok. What? Vous avez vu? Vous avez vu le bug? Il y avait lui, il était invisible. Bon, boum boum badaboum. Ok, il y a l'assaut, les gars. Bon bah c'est bien là que je pense qu'il faudra les tuer. Vas-y, prends ton arme. Non. Oh non, mais non, mais quel con, putain. Bon, on se retrouve tout de suite, allez, à tout de suite. Ah, on est de retour, s'il n'aurait pas putain de bugué là. Alors, on se planque bien, hein. Vas-y. Allez, on recharge. Oh, calme. Voilà. On va monter gentiment. Tiens, voilà. Bon, on avance toujours. On va faire gaffe, hein. Dégage. Non.
Ok. Right, Marston. We'll take two men with us. The rest will stay here and take care of the wounded. They'll plant charges at the gate. You and I will provide the cover fire. All right, men. Blow that gate open. Get ready to hold off their fire, Marston. Hold them off! We need time to set the explosives! What are you doing? Shoot them! What kind of joke, Chris? Son of a bitch! One move, and you're a dead man! Come on! You can go home to mama now! Hellfire! Alors on se concentre, hein. Je me concentre pas mal, hein. Vous voyez. Putain, il était où? Ah mais dégage! Ok. Oh putain! Oh, mitrailleuse! Oh, on est bien dans la merde! On va planquer toi! Voilà! Oh. Allez hop, on monte. It's over, John. I ain't leaving here without you. Hop, on y va. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il va faire par là, dans ce trou? You're just like me, John. You can't change who you are. I ain't like you. Allez, monte, monte, monte! Putain! Tac, 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 tac. Sinon, il va fuir, le gars. Allez hop, John, on y va. Allez, c'est notre dernier ennemi. Enfin, pour le moment. Après, il y en a encore d'autres de missions. Mais bon, là, voilà. You can't erase the past, John. It won't make it go away. That's where you're wrong. Allez, monte. Voilà. Eh bah t'es pas dans la merde mon gars, hein. Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. I don't doubt it. We can't always fight nature, John. We can't fight change. We can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business.
Oh putain, non. Non, 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 il va se suicider. Et ouais. Oh. Et voilà, il s'est suicidé, le gars. Et oui. So at the end, you didn't have the guts to shoot. The man's dead, Ross. Sure. Can I see your gun? Préfère être sûr. Voilà. Oh, trust me. It looks better in the report that way. Where's my family? Your wife was killed in a prison riot last week. So, I'm only joking, dear boy. They were sent back to that Scrabble ranch of yours in Beecher's Hope. They're quite safe and sound. They better be. Thank you, Mr. Marston, for everything. I know this wasn't easy for you, but I have to say, you've done your country proud. Yeah, exactly. See you around, John. Try to stay out of trouble. Come on, Archer. Let's go find somebody else we can annoy. Eh ben voilà, on a fini la mission. Tranquille. Voilà. Réputation 400. Réputation légende. Bon bah voilà, on a fini avec ces putains de... Alors, homme d'honneur ou pas. Ouais, parce que je suis à 100% là. Bon, alors en tout cas, on a fini avec cette petite belle... vous êtes une légende de l'Ouest, votre contenu de payer chaque prime à vos têtes sera que moitié. Ok. Donc, d'accord. Alors, en tout cas, avec cette belle musique, on va se retrouver au prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. La suite au prochain numéro.